Et yo salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui car je me suis rendu compte d'une chose en examinant un petit peu l'apparition alliée. Donc l'apparition alliée tout simplement la cabra du gouffre. Une fois améliorée euh, en légendaire, elle donne donc l'arme qui s'appelle l'apparition alliée que vous voyez juste ici à l'écran. Vous pouvez voir que pour l'améliorer il faut une essence de Cropta et quand vous allez dans le détail du matériau, la phrase nous dit ⁇ L'essence de Cropta s'obtient après la défaite du fils d'Orix et l'héritier du trône d'Osmium dans le mode le plus difficile du raid. Voilà. Je le rappelle, le, le mode difficile du raid devrait sortir dans les semaines à venir. Il sera en mode 33, en level 33, pardon, voilà. Donc je voulais revenir sur cette phrase. On sait que le fils d'Orix est tout simplement Cropta. Ça, il n'y a pas de doute. C'est le, le boss qu'on tue à la fin du raid en normal. Je voulais maintenant revenir sur l'héritier du trône d'Osmium. On ne sait pas qui est ce personnage. C'est pour ça que je me demande s'il n'y aurait pas une étape supplémentaire dans le raid hardcore euh, de Cropta. Voilà, c'est une supposition, il n'y a rien de sûr, c'est vraiment euh, c'est une idée que je me suis fait. Je trouve que vraiment le raid de Cropta est très simple, il est pour moi plus simple que le raid d'Athéon. Beaucoup plus court en plus, vous avez pu voir sur la vidéo qu'on avait sorti hier qu'on l'a fait en 27 minutes et je pense qu'on peut le faire vraiment en dessous des 20 minutes. Voilà, donc je me, de... je me dis pourquoi il n'aurait pas ajouté une, une étape supplémentaire au raid hardcore de Cropta. Voilà, donc je vous ai montré aussi. Euh, quelque chose parce que je pense que l'héritier du trône d'osmium est tout simplement Oryx. Pour moi, voilà, l'héritier du trône du trône d'osmium est Oryx. Euh, J'ai fait cette supposition à plusieurs d'entre vous et certains m'ont dit mais non, Oryx, on le tue dans la mission euh, sur la sur la lune qui s'appelle euh, le temple d'Oryx, si je me souviens bien. Voilà, on le tue dans le temple d'Oryx. Et je vous montre donc cette, cap cette capture d'écran parce que je suis retourné faire la mission parce que moi, il me semble bien qu'on n'a jamais tué Oryx. Et vous pouvez voir sur ce screen que le, le boss qu'on tue à la fin, donc le chevalier avec une forme euh, vraiment géante, qu'on tue, s'appelle tout simplement l'œil d'Orix. Donc on n'a jamais tué dans Destiny Orix. Donc pourquoi Pourquoi Voilà, je me demande pourquoi est-ce qu'on ne tuerait pas Oryx dans la version difficile du raid de Cropta. Voilà, c'est tout simplement une supposition. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh, je voulais vous partager cette idée parce que quand je suis tombé sur cette phrase, je me suis dit c'est pas possible l'héritier du trône d'Osmium, c'est qui On le connaît pas encore, on n'a jamais entendu parler de ce personnage, et là pam il nous le pond dans les détails du matériau. Voilà. Donc moi je pense qu'il euh, y aura une étape supplémentaire au raid de Cropta. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui nous suivent en live, ce soir je lancerai un live sur les coups de 20h30. À peu près 20h30, 20h45. Pour les autres, je vous souhaite à tous une bonne soirée, passez un très bon moment. Ciao les gens et à bientôt